Il est 6h moins 10 du matin. La propague commence déjà à arriver un peu. Pas trop du côté de la BLU, plus du côté de la M, de la MFM. Ouais, on attend un petit peu dans le matin. C'est là que je dis dommage que je vais au boulot. C'est pas grave. Les stations, ils en profiteront à ma place. Ouais, ça mijote un petit peu dans le lointain. Hein. On va pas nous casser les couilles en cours ce matin là. Non, c'est là, la jeune là, Daniel lui, il lui parle. Parce que petit, mais il y a du monde dans le lointain. Ouais, bon, bah là, on n'entend plus. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindé 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors, côté circulation, c'est tout cuiron. Bonne journée à tous. Les invités de Lono. Et 73-51, nous lance. Tu commences à passer, t'es pas loin. Ah, je suis sur Mérignac. Mérignac? Eh ben tiens, c'est là où je vais justement. Je m'en vais récupérer une belle mère au dépôt. Ok, d'accord. Moi je m'en vais cramer toute la journée en plein soleil. Oh ben c'est pas la meilleure des journées en plus. Ouais je sais, ces jours derniers je prenais la moto. Mais là, là aujourd'hui je débauche à 17h avec le soleil qu'il va y avoir. Je me dis si la moto c'est même pas la peine. C'est non, j'aurai assez cramé comme ça durant toute la journée. Tant pis, je roulerai fenêtre ouverte dans la voiture, mais au moins je serai à l'ombre. Pour les 5, c'est le mieux, mais bon. Voilà, oui, pour le coup, oui, c'est sûr, oui. Dans les environs de l'aéroport de ce côté-là, quoi. On est prochain, c'est la revanche, je vais repartir à l'aéroport.
Ok, là je suis en bas du pont d'Aquitaine, là j'étais un petit peu perdu, là je suis à la hauteur de la sortie là en bas, là, dans ces coins-là, là, dans le trou, là ça passe mal. Ah ok, bon, je vais te dire peut-être à tout à l'heure. Ok, voilà, ça remonte un petit peu. Ok, d'accord, ça marche. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-est de France sur la fréquence kilomètre. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Bordeaux. C'est pas grave. Il doit faire trop chaud là. Il doit faire trop chaud pour parler. Ah si, il y a du monde. Alors dans la voiture j'ai 40 hein. Et pourtant la voiture, les vitres sont restées grandes ouvertes toute la journée hein. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est du foutage. Ah non, je suis sous le 17, oups. C'est pas très français ça. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, le coyote de Codéran pour Dandy 33 qui t'appelle. Ils ont trop chaud les mecs, ils n'arrivent pas à prendre le micro, hein, chie trois coups. Les 73 Vega, je t'entends très QRP, là je suis sur la rocade, à la hauteur de la sortie 8, le Verdon, la Cano. Ah ok, t'es quasiment rendu au QRA. Ok, quand j'ai vu la chaleur annoncée pour aujourd'hui, je me suis dit la moto c'est même pas la peine. Si c'est pour cuire en plein soleil, là du coup je suis dans le push, les fenêtres ouvertes et au moins je suis à l'ombre. Ah, je suis trois coups. Ah oui, on est toujours en cuir en plus. Ouais, enfin bon, c'est pas un cuir que j'ai, mais c'est du pareil au même.
C'est, et puis j'ai pas envie de faire comme certains, rouler comme ça en manche courte et puis à la première canette tu pleures. Quoi. Ça non. Alors c'est pour ça là, je me suis dit, mais c'est pas grave. Hein. Il y en a au boulot qui se sont foutus de ma gueule aujourd'hui, je me suis dit, allez-y. Oh putain, oui, à propos de ça, putain, cette rigolade. Le chef, alors lui, il est quand même venu en moto là aujourd'hui. Puis il me dit comme ça, ben oui, c'est la différence entre les hommes et les bonnes femmes. Ouais d'accord, vois pourquoi il m'a fait passer, quoi. Ah chie. C'est pas grave, je m'en fous. Au moins, là, tu vois, je suis peut-être en plein soleil, mais à l'ombre quand même. Il y a deux sécu RN de mon côté, là, voilà la vache. Entre les travaux, les, je sais pas, espagnols ou portugais qui est en même temps sur la fréquence, hein, sur le canal, aïe aïe. De toute façon, c'est un peu partout pareil. Hein. J'ai fait un peu le tour des canaux, c'est partout pareil. Attends, deux secondes, je freine. Ok, je t'ai vu. Voilà, c'est bon, il est passé. Ouais, j'avais un moteur qui, je devais pister dans mon rétro. De la façon dont il est arrivé, j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas pris en tenaille, vu que je suis sur la zone de chantier, entre moi et le véhicule d'à côté. Il a pu passer tranquille, c'est bon, ça roule. Ce bois bas qu'il y a là-dessus, ça y est, c'est reparti pour une bonne ratatouille. Toi aussi, ah merde, j'espérais avoir de l'exclusivité, quoi, même pas, j'ai même pas cette chance. Ok, à plus tard. Aí é monte, ok, 5757 teu senhor, reporte o motor escutado, Federico, aí escutado em 35527555 e aí fui, vou fazer aqui assim, creio, 27... CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Bordeaux. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Bordeaux.
La station qui a demandé pour laisser radio, j'ai l'impression que t'es en FM et non pas en AM. Bon, la station, je te remercie. C'est vrai que c'est un nouveau poste et je savais pas comment il marchait celui-là. Ok, putain, mais t'es à côté de moi, toi. Je sais pas, je suis dans les bouchons juste avant le pont de la Guidaine. Ah, bah oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Ça a l'air bien passé, enfin, on est pas loin l'un de l'autre, mais ça a l'air bien passé. Ah, bah tu m'étonnes, c'est une. Si j'ai pas bien vu, mais je crois que ça doit être du 9 plus 10. Tu es, allez, peut-être à tout casser à 100 ou 200 mètres de moi, si t'es... ben, je suis dans les... Alors, je suis en, presque rendu en bas du pont d'Aquitaine, au dernier pont, voilà, qui est en bas de pont d'Aquitaine. Voilà, je suis très précisément là. Au fait, tu as les bottes 113-51 de Dandy 33, voilà. Ok, ben, tout ça retourné. Moi, tu vois, je suis dans le bouchon à remonter du parc des expos, là, du centre routier. Ok, donc t'es pas encore sur la rocade. C'est clair, c'est la bonne heure. Ouais, mais bon, ça pourrait être pire. J'ai vu pire ces derniers jours. Là, aujourd'hui, ça roule bien quand même, malgré tout. C'est clair. Oh putain, c'est tout bouché de l'autre côté. Bon, en venant du Médoc, là, c'est tout bouché. Voilà, je suis quasiment rendu là au pied du pont. Ah ok, mais tu vois, je croyais que ma Tibi marchait pas, en fin de compte, elle marche pas trop mal. Ah si, ça marche même très bien. Ah oui, je confirme, ça marche très bien. Avec une bonne modulation, tout bien propre comme il faut. Hein. Nickel. Toi, j'ai acheté ça, c'est un truc, c'est même pas du président, c'est un truc qui s'appelle Pinescorte là. C'était pour servir pour les moissons, parce qu'on s'en sert pour les moissons. Et là, j'arrivais pas à la régler, alors je suis bien content que ça marche. Ouais, parce que qu'est-ce que t'avais comme souci dessus? Ah, c'est que c'était sur un camion que j'ai là, et la mienne elle avait cramé, et ils nous ont demandé d'en reprendre une, d'en remettre une. Alors je viens d'en acheter une, elle est toute neuve, mais j'arrivais pas à la régler. Ouais, mais à quel niveau t'avais pas à la régler? Tu parles du réglage d'antenne? Au niveau dessus, il y a un mode, c'est des nouveaux modes, il y a le mode européen, le mode machin, et en mode européen, tu ne peux pas avoir les AM et les FM, et il y a un autre mode où j'ai réussi à trouver le mode AM. Ah oui, d'accord, et dans la liste, tu n'avais pas de marqué FR par exemple? Non, négatif. D'accord, ok, ouais, je vois ça, je vois ce que c'est, ouais, les postes, c'est fait mes potes multinormes. Attends, j'ai une voiture qui a n'importe quoi, une moto qui passe, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, ils font pas trop. Bah, disons que au niveau des fabricants, ça leur permet d'avoir un seul poste pour tous les pays. Voilà. Ouais, donc pays d'escorte, ouais, bah, c'est du président hein, de toute façon. Hein. C'est du président quand même. Hein. Et ben, je savais pas, ça fait presque 15 ans que j'avais pas eu de civil en camion, alors je l'ai remis juste, et puis c'est l'été qui est concluant, c'est bien, ça fait pas 8ème capté en FM, c'est déjà bien. Ok, non mais c'est vrai qu'il marche bien, là je suis dans la montée du pont, là c'est nickel. Hein. Ouais, bah nickel. Le problème c'est que maintenant on est arrivé dans certains. Enfin moi je roule des céréales en ce moment et on fait en relation avec les Moisemat et compagnie là et c'est plus facile. Ah bah tu m'étonnes. C'est sûr c'est vachement plus pratique avec la CB à bord. Hein. Bon pour ma part je suis en voiture. Toi, il y en a qui disent qu'il n'y a plus de CB dans les voitures, bah si j'en suis la preuve. Hein. Et je ne suis pas tout seul. Voilà, je l'ai aussi à la maison, donc de ce côté-là aussi. C'est au niveau CB, si tu veux des infos, ben c'est pas compliqué. Sur internet, tu as la planète CB francophone. Donc soit le forum, soit du côté Facebook, pareil, la planète CB francophone. Bon c'est tout simple. Voilà, et c'est moi qui est administrateur de tout ça. Ok, d'accord. Ben, j'allais faire un tour là-dessus, je vais voir. Voilà, et d'ailleurs là je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. J'aurai pas le temps, je pense pas avoir le temps de m'en occuper là aujourd'hui. Mais bon, dès que ce sera fait, tu pourras voir un peu, tu pourras apprécier là comment ça passe, là, comment je t'entends dans la voiture.
Et bon, j'ai les fenêtres ouvertes, donc forcément, ça sera un petit peu de bruit à bas. Mais tu devrais pouvoir entendre avec quelle bonne qualité, parce que c'est vraiment ça, hein, avec quelle bonne qualité au niveau du poste tu passes. Ah ok, d'accord, mais c'est sympa. Bon, attends, parce que là j'ai vraiment du bruit. Bon, voilà, j'ai fermé les vitres. J'ai plus que la fenêtre arrière qui est ouverte, mais ça va bientôt se transformer en four dans le push, mais c'est pas grave. De toute façon, en arrivant, j'ai pas une bonne douche, j'en ai besoin. Non, mais c'est vrai qu'il marche vraiment bien. Hein. Et au niveau antenne, qu'est-ce que tu as dessus? Alors, nous, c'est des antennes sur les camions qui sont pré-équipées. Alors, pas du tout sauté. Du tout. Ok, ben, d'accord, ok, je vois très bien. Eh bien, c'est une chance qu'elle fonctionne aussi bien parce qu'en principe, les antennes d'origine des camions, c'est des vraies saloperies. Et quasiment tous les routiers les remplacent par de vraies bonnes antennes CBI. Alors moi, c'est une Wilson 5000 que j'ai. Alors, du côté du routier, ça va des antennes... j'ai zappé des noms. Demande à tes collègues, tu verras. Et, ou alors, quand tu seras soit sur le groupe Facebook ou sur le forum La Planète Simi Francophone, on en reparlera dessus, il n'y a pas de problème. Parce que là, j'ai pas des noms là devant moi et tout, hein, tellement qu'il y a de marques. Voilà, bon là je suis... Attends, faut vraiment que je ferme tout parce que là j'avais l'air qui me faisait pas mal de bruit dans le push. Ok, attends que je regarde. Ouais, c'est bon, voilà. Ok. Ouais, voilà, là je suis Roca de rive droite. J'arrive à la hauteur des stations totales, dont une qui est en travaux. Bon, ben, je crois qu'on a atteint la limite. Je suis à la hauteur de la sortie 26 et c'est à partir de là que je t'ai complètement perdu. Hein. Mais bon, il faut dire aussi qu'il y a pas mal de QRM, de parasites. C'est pas évident. Il y a le relief aussi qui fait barrage. Mais bon, j'étais entendu jusque-là. Depuis 1000 pattes, c'est quand même pas mal. Ouais, je suis dans la montée de la sortie 26 et là j'étais entendu tout petit derrière. Donc ok, on va arrêter là, au moins tu sais jusqu'où tu passes. Les bonnes 113-51 toi, bonne route et à la prochaine là-dessus. Et moi je suis en train de crever de chaud. Il y a quelqu'un derrière. What, ça y est, t'es en fixe. Eh ben tiens, il y a un nouveau 1000 pattes là qui est... et l'autre, ça y est, pour une seconde que le feu vient de passer au vert. Une seconde à attendre, ça y est, c'est le bout du bon pour certains. Il faut que ça klaxonne comme des abrutis. Là. Tiens, il y a une nouvelle station 1000 pattes là qui revient en fréquence. Enfin, non, c'est un ancien qui revient en fréquence qui est en 1000 pattes. Ça y est, j'ai remis tout ça à l'endroit. Super, ça va faire un peu plus. Ouais, exactement. Je viens de l'entendre à peine derrière. Et normalement, il doit être presque rendu à la rocade ou presque là du côté entre le parc des Espoirs et la rocade. Là, il est de ce côté-ci là, en ce moment en train de rouler, en train d'essayer d'atteindre la rocade. On peut toujours arriver à convaincre ses collègues de remettre la civile dans les camions. Hein. Ah, petit à petit, ça va faire son problème de chemin. Ah oui, non, mais c'est sûr. Oups. Là pour le coup on lâche le micro, on fait profil bas. Ah tu m'étonnes. Il y a des mises en pied au ciel. Il faut rester en pied avec le coup de...
Attends, j'ai un bordel, mais un bordel pas possible. Hein. J'ai fermé les fenêtres, je vais crever de chaud, mais c'est pas grave. J'ai dû curer mon pagaille en plus là. Attends, qu'est-ce qu'ils font les autres là? Ça se croit sur un circuit de Formule 1. Ouais, tu me dis? Je te disais, quand j'ai mis l'oubli de 50 route sur un peu un poste genre président Jacques et professeur Brun, moi ça peut faire ce temps. Quand tu mets un, c'est quoi la question? Pour mettre l'oubli sur un poste président Jacques, par exemple, professeur Brun. Ça dépend des amplis. Hein. Le mien, là, le Zetaki B750P que j'ai, déjà la position 6, j'y vais pas. La position 5, je vois pas de grande différence avec la position 4, Hachi. Et je rentre dedans autour là, je dois être à quoi? À 5 watts, un truc comme ça, là, pour rentrer dedans. Sur 10 watts maxi. Mais il faut pas plus, parce que après ça me fait chauffer pour rien, déjà. Et après, ça fait une modulation écrasée. Là, c'est pas le cas. Même des stations proches, ça passe très bien. Donc, je divise la puissance par deux. Voilà. La puissance maxi d'entrée, que ce soit en AMFM comme en PLU, je la divise par deux. C'était pas ma question, mais ça fait rien. Ah, bah, tu vois, comme quoi, j'ai pas la lumière à tous les étages avec la chaleur qui fait. Tu m'étonnes, j'ai 40 degrés dans la bouche. Quand je disais, il faut descendre à peu près à 1 watt, c'est ça? Ben, si ton ampli te dit 10 watts maxi, ben, tu rentres à 4-5 watts. Hein. Non, il fait 25 et 30. C'est un état que j'ai trouvé là, sur un président Jacques, qui est très bien. Ah oui, là tu parles de la puissance de sortie. Ben, je sais pas, faut voir ce qu'il y a d'indiqué en puissance d'entrée. C'est ça, quoi, le plus important. Alors, ce que je veux, c'est baisser la puissance du poste pour pouvoir être en pied, pour pas que ça écrase. Ben oui, mais si tu me donnes pas la puissance d'entrée, ok, 25-30 watts en puissance de sortie, ça, je suis bien d'accord, j'ai bien compris. Mais si tu me donnes pas la puissance d'entrée, je peux pas la deviner. Et puis, comme je suis en train de rouler, je peux même pas faire de recherche sur internet avec la marque et le modèle de l'ampli que tu as là. Qu'est-ce que t'appelles la puissance d'entrée? Ah putain, j'ai le ventilo qui est en train de faire de piquer sa crise. La vache, il a trop chaud. En sortie de. C'est-à-dire la puissance de sortie du poste avec laquelle tu vas rentrer dans l'ampli. Voilà, c'est-à-dire combien l'ampli accepte au niveau de la puissance du poste. Mais le poste, il fait que 8 watts, donc je peux le baisser avant, par exemple. Oui, et sur l'ampli, tu connais la puissance de sortie de l'ampli, 25-30 watts. Ok, ça, d'accord, mais tu as forcément une indication sur la puissance à ne pas dépasser pour rentrer dans l'ampli. Et c'est cette puissance que tu peux diviser par deux. Oui, tout à fait, mais je ne l'ai pas encore reçu, je le reçois demain. Et en plus, il n'y a pas de bouton de réglage sur cet ampli-là. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. Waouh. Ouais, c'est léger, oui. C'est assez léger. Bah, de toute façon, déjà, tu peux faire une recherche sur internet. Tu connais la marque, tu connais le modèle d'ampli. Tu fais une recherche sur internet pour voir ce qu'il en est de l'affiche, de la fiche technique. Et là, ça te sera indiqué. Je vais faire, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il va falloir que je le change, hein, ce ventilo. Tant que la température est correcte, ça va, ça ne me fait pas de bruit. Et c'est le deuxième qui me fait chier. Ou alors, il va peut-être falloir que je câble, que je prenne un bout de coax fin, de fil coaxial, pardon, fin, de façon à blader le fil d'alimentation du ventilateur, du ventilo qui est au cul de, que j'ai rajouté moi au cul de l'ampli, pour extraire toute la chaleur dedans. Parce que là, c'est pas cool ce QRM à chaque fois comme ça qui se met à se faire entendre dès que ça commence à bouillir un peu dedans.
Tu peux même installer un antiparasite pour ton ventilateur. Bah déjà, à commencer à blinder le coax, le fil qui est dedans. Parce que là c'est deux fils d'alimentation classique hein, que j'ai passé à travers. Pour te dire, le ventilo, je l'ai branché sur le marche-arrêt de l'ampli. Voilà. Ce qui fait que quand j'allume le ventilo, quand j'allume n'importe quoi, quand j'allume l'ampli, le ventilo se met en marche de suite. J'ai eu testé un thermostat dessus. Thermostat, et le problème c'est que là le rayonnement de l'ampli me perturbait la sonde du thermostat. Alors donc ben ça j'ai dû gicler pour faire un branchement direct sur le marche arrêt de l'ampli. Putain de saloperie. Non, c'est pas compliqué du tout, c'est tout simple. C'est un branchement en parallèle du ventilo. Le plus du ventilo sur le marche-arrêt de l'ampli et le moins du ventilo mais sur la sortie moins de l'ampli. Voilà, tout simplement, c'est un branchement en parallèle dessus. Moi, ça m'a démonté une jambe pour changer un mètre, l'afficheur, ça va, mais c'est compliqué. Ben, rien que ça, c'est déjà plus compliqué que de brancher un ventilo. D'ailleurs, j'ai appris une chose, c'est que sur les bases Jumbo, même les têtes, elles sont encore sous tension. Oui, parce que t'as la partie, quoique je dis oui, mais je réponds un peu vite, tu as beaucoup d'appareils avec alimentation intégrée, dont justement l'alimentation, elle, reste alimentée. Ce qui fait qu'après, c'est l'appareil lui-même que tu allumes direct. De toute façon, elle est branchée sur une triplette à interrupteur et j'éteins l'interrupteur et les sports tension. Ouais, j'ai eu comme explication déjà que ça évite de mettre un coup de jus quand tu allumes tout d'un coup, je sais pas, c'est-à-dire que ouais, quand tu allumes une alimentation, au moment de l'allumage, tu as une petite surtension qui est très brève. Et quelqu'un m'a dit une fois que ça évitait que cette surtension parte directement dans l'appareil, peu importe l'appareil. Ce qui fait qu'effectivement, quand l'alimentation comme ça reste constamment allumée, comme c'est le cas des téléviseurs et de tout autre appareil, eh bien évidemment, cette surtension au niveau du poste n'apparaît pas. Maintenant, est-ce que c'est du barata qu'on va raconter ou pas? J'en sais de rien. Mais bon, je me dis après tout, pourquoi pas? Ça peut être plausible. Dans l'ignorance, je sais pas, mais bon, c'est vrai que ça peut être plausible. Après, c'est pas compliqué l'électricité, il y a un qui part et un qui arrive. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Mais là, je pense que celui-ci, là, concernant le ventilo, va faire que je le blinde. C'est sûr. Alors, tu mets des glaçons sur ton poste. Ah ouais. Putain, j'en avais bien besoin des glaçons. Je suis en train de couler, quoi. J'ai pas voulu de la clim quand j'ai acheté la voiture, mais putain, j'aurais mieux fait d'écouter l'XYL et de prendre quand même avec. J'ai demandé un truc, moi. Tu prends une glacière alimentée, là, en droite, tu tapes trop dans le capot et t'intègres ton poste, et ça y est, ton poste est à température. Ah oui. Ah ouais, parce que là, je l'entends derrière par moment. Hein. Attends, je suis en train de me lancer là. Allez, on calme la bête. Voilà, je suis en train d'arriver. Ah ben non, ça c'est trop calmé ça. Putain, les mecs ils roulent à 70, 80, 70 là sur la voie rapide. Et je suis à deux doigts d'attraper la sortie 9, la rocade de Libourne. Alors là, moi j'ai des QRL sur le RC. Merde. Ok. Bon ben c'est pas grave, j'ai arrivé à la sortie 9, je sais qu'en général c'est là où on a tendance à se perdre un petit peu à cause des QRM qu'il y a de ton côté. Donc je vais t'envoyer les bonnes sur 1351, je vais laisser refroidir la bête derrière, et parce que là il me perturbe les oreilles.
Demain, je ne sais pas si je prends la moto ou la voiture. Je ne sais pas encore. Ça dépendra du sens du vent. J'ai pris la voiture aujourd'hui parce que là, il fait vraiment trop chaud. Quoique là, c'est pas mal non plus. Je coule de partout là. Je suis en train d'inonder le pouce. J'ai presque un mètre de flotte de transpiration dans la voiture. Donc, je vais te laisser les 20 sur 13.51. Merci pour ce petit QSO. Et peut-être à demain. Ah la vache! Waouh! Ah! J'ai retrouvé. Alors j'ai deux conneries. J'ai le ventilo qui est parasite. Ah, faut que j'ouvre les fenêtres. Oui, ok, Rémi, excuse-moi, j'avais changé de poste, mais tu ne t'avais pas dû m'entendre. Ok, bonne soirée, et puis va te mettre au frais. Hein. Ok, voilà, je viens de le rallumer, ça me répète dans les oreilles. Les 73-51 à toi, à plus, et bonne soirée. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, j'ai des conneries. J'ai pas le temps de m'en occuper. Hachi. Alors j'ai un petit relais dedans qui des fois fait le con et m'empêche de récupérer la totalité de la réception. Et le ventilo qui décolle le plafond. Voilà, ok. Alors le ventilo, j'ai changé un vieux ventilo qui est parti en live par un autre qui n'est pas de meilleure qualité. Non mais qui n'était pas neuf non plus parce qu'il arrive d'une ancienne alimentation. Donc eh bien, va falloir que je m'occupe de ça. Et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Bon, voyez un petit peu. La propagère est tombée, il est 17h50. Elle reviendra peut-être tout à l'heure ou pas. Eh bien, on verra bien. Eh bien, la revoilà déjà. Avec l'Italie. Attention, la voix des ondes pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, la voix des ondes pour Dundee 33 qui t'appelle. Tapis.